Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur Chanel que vous remet en pilon, si Covid a fanier, vous pensez avec un immense plaisir. Eh bien, même chaleur, même émotion, nous rejoignons sur plateforme là, et ceci nous poil bah, bonjour information. Nous t'es passé un nombre de temps vraiment dans un silence, mais c'est juste pour nous être capable de classer l'ordre des affaires. Eh bien, nous pourrons parler aujourd'hui du grand déplacement que le président Luis Abinader fait pour le pays l'Équateur et président Jovenel Moïse. Et nous pourrons parler du déplacement ça. Dans qui but y arriver, y aller dans l'Équateur? Est-ce que c'est pour y être capable de rencontrer? Nous pourrons le faire comme ça tout à l'heure. Est-ce que c'est dans une séance ou bien dans une cérémonie à participer, n'a pas comme ça tout à l'heure. On nous prend du temps pour nous remercier ou même qui fait de plateforme ça espace pour capable d'entendre des bons gens d'information. Nous vraiment nous respecter les oreilles. C'est ça que fait nous pas qu'à dire n'importe bagaille. Ou même qui a regardé nous pour la première fois, faites-vous membre de cette grande famille. Pendant cliquer sur abonner, activer petit clocheton et ça va le permettre que vous ayez accès à toute vidéo. N'a pas gagné. Pour nous poster pour, ou même qui déjà fait partie de grande famille, non? Continuez à partager vidéo, nous, yo. Avec famille, avec amis, ça pourra aider plus de monde à gagner information. Sans que nous pas perdu plus de temps, nous pourrons entrer directement dans l'information, nous, pour aujourd'hui. Eh bien, président Luis Abinader Rodolfo Corona, lui, déplacé pour pays l'Équateur, et actuellement là, l'arrivée dans pays Quito. Nan capitale Quito qui c'est capitale Équateur, eh ben et pour que il y a participé dans Santa Rita l'investiture du nouveau président élu, eh ben et depuis à 5 heures dans l'après-midi, l'arrivée dans Quito et pour la participer dans l'investiture ça. Et nous voulons dire que président Luis Abinader, il est accompagné de Roberto Alvarez, qui c'est chancelier, il est accompagné de chef de cabinet présidentiel, là, qui c'est Elvin Bertrand, il est accompagné tout de assistant personnel, qui c'est Mercedes Pichardo, il est accompagné de major général Kevin Rubio, et puis il est accompagné de sécurité présidentielle, là. Et pour lui capable descendre dans le pays l'Équateur. Et ça qui intéressait nous dans le dossier, nous pourrons parler un peu parce qu'à 5h20, il est déjà atterri. Maintenant, est-ce que nous capables dit président ou bien président haïtien et République dominicaine qu'on participer dans l'investiture qu'a fait en Haïti? Moi-même, moi, pourquoi j'aime assister, peut-être, dans le moment où fait là, un petit cas, soit pourquoi tu as l'âge pour ça, mais moi, pourquoi j'aime assister. Et me songeait que la République dominicaine toujours voyait assistant, lui, toujours voyait représentant, pardon, mais jamais, jamais participer en chair et en os comme président, et bien, dans l'investiture qui a fait en Haïti. Il y a un peu de questions qui est capable poser, bien entendu, est-ce que c'est parce que n'ayons pas fait élection, nous y confiance, ou bien élection, nous pas inspiré confiance qui fait ou pas jamais voyer monde, point d'interrogation. Même penser que président et République dominicaine, yo, président dominicain, ou pas jamais participé dans l'investiture qu'a fait en Haïti, mais là que c'est Haïti qui a fait. Alors, c'est Saint-Domingue qui a fait investiture. Nous toujours un petit président haïtien, ou toujours entré, t'as ces petits colonnes à frais et vini. Ou même si vous connaissez un lait, que le président dominicain qui a fait investiture en Haïti, dans l'année fête, nous t'as dit de 1986 à nos jours, eh bien, on va quitter ça pour nous dans un commentaire et ça va déranger du tout. Avant nous entrer dans le cadre Jovenel Moïse, qui déplaçait tout, il y a les Quito. Il y a participé dans l'investiture nouveau président élu hein, et en Équateur. Bon,
Mes chers amis, et de tout ça que nous lions, c'est avec un pile honneur, avec un pile respect, eh bien, et Dominicain yo recevoir, Équatorien yo recevoir, Cortège Dominicain yo pour y aller participer, non, investiture de Guillermo Lasso, et ses nouveaux présidents élus, République d'Équateur. Maintenant, on nous fait un petit passé directement dans le voyage président Jovenel Moïse. Et lui a participé tout dans l'investiture de Guillermo Lasso. Est-ce que Jovenel Moïse capable de saisir une belle occasion ça pour lui tout profiter, faire un petit chita avec Abinader? Nous pas qu'on connaît. Mais ça qui est intéressant, c'est parce que les deux voisins croisés sous un sol neutre, les nous parler de sol neutre, ça veut dire qu'il pas ni pour président Abinader ni pour président Jovenel, eh bien, il y a toujours qu'on voulait dialoguer entre eux. Par exemple, président Michel Joseph Martelly qui est rencontré ensemble avec président Danilo Medina, La Paz, ou bien pour ne pas dire La Paz, mais c'est La Paz, capitale Bolivie. Et pour yoter discuter certaines choses. En pile fois, et président qu'on parlait vienne la caillon l'autre, mais il est sorti sous belle occasion ça pour y parler sous certaines choses. Il y en a premier bagage que Abinader avec Jovenel et t'a doué parler sous lui, c'est sous question immigration. Deuxième bagage yo t'a dû parler sous lui, c'est insécurité qui gagne en Haïti et puis gagne un référendum qui en route pour une nouvelle élection. Troisième bagage yo t'a dû parler pour lui, c'est question immigration, haïtien qui illégal. Et puis quatrième bagage, c'est question commerce entre eux, pour non pas dire libre-échange qui gagne entre ces deux pays voisins. Et je pense que gagner un monde qui est capable de comprendre ça en tige mal, il est libre et libre pour homologue, il est capable de parler parce que. Eh bien, Jovenel, c'est homologue Abinader, Abinader de même. Ça veut dire, à un moment donné, il est capable de chita pour y parler sous quel que soit territoire, eh bien, dans le monde là. Bon. Les deux, gagnent passeport diplomatique. Non, mais yo, qu'est-ce que, alors, est-ce que ça ennuie? Gagnent mon cap dit que, pour qui raison c'est Équateur y a le parler? Attendez bien, m'a dit encore. C'est pas un rendez-vous, Jovenel Moïse, cassé avec Abinader en Équateur. Mais c'est juste pour y aller dans l'investiture, nouveau président élu, Guillermo Lasso. Et en Équateur, c'est nouveau président et qui passait dans l'élection, yo. Et yo allé pour la solidarité. Moi-même, ça qui vexe un peu, c'est parce que moi pas songé gagner un président dominicain de 1986 à nos jours qui j'aime participer en chair et en zoo. Aux élections ou bien à l'investiture nouveau président Haïti. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est parce que l'élection n'a pas inspiré la confiance ou bien toujours une protestation en Haïti parce que c'est seul pays qui a fait élection la donne ou pas jamais gagné. Moun qui troisième, quatrième, cinquième et moun qui dernière, lui dit c'est qu'aucun offert avec lui, c'est lui qui gagne. Ça veut dire. Ça a capable de mettre un doute la caille négio ou bien une peur pour éviter quelque soit dérapage. Et puis, pas oublier, président Leonel Fernandez, on était allé à Haïti, il était couru derrière avec Kout Roche, côté que les Patka descendent dans la capitale pays, qui c'est pas au prince. Pour une raison bien simple, c'est parce que deux semaines avant que président Leonel Fernandez était allé en Haïti, eh bien, il était pendié un jeune étudiant haïtien dans Santiago de los Caballeros sur une place publique. Après cette action, après un criminel et qui pas gagné, mon capable dit qui pas gagné, pardon ça. Eh bien, président Leonel est allé en Haïti en tant qu'un bon diplomate pour t'a faire un geste fair play. Eh bien, haïtien on va prendre ça dans main, il a carillonné la coupe roche. Jusqu'à ce que li patka atterri, il était obligé à l'atterri dans ville trop du nord et il était fait intervention dans un hôtel qui relé Sinelia et ben dans zone trop du nord qui nous ta relé en bas des Varennes ou bien l'or fin prend bas cimetière. Et ça nous dit là yo si des bagailles qui mettez nous qui fait nous poser en pile question pour qui raison dominicain ou pas j'aimerais mais aller en chair et en zoo. Dans l'investiture qu'a fait en Haïti, yo, je vous ai proposé
quelques raisons valables qui t'ont causé ça. Et normalement, laisser l'autre pays, yo aller. Par exemple, si n'est yo aller dans l'investiture, yo t'as une invitation pour investiture États-Unis, l'autre côté, waouh! N'est yo t'as pour y aller parce que y aurait même grand bagaille. Mais Équateur, pas oublié. Équateur, son gros pays. Son gros pays dans l'Amérique. Et faut me dire ça, Équateur, son gros pays. Parce que, bon, un petit exemple. Nous songez. Et Monsieur Julian Assange, qui était mettait secret les États-Unis d'ailleurs, parce que Julian Assange a travaillé dans la NASA, et il était en pays secret sur les États-Unis, et bien les États-Unis ont besoin d'arrêter. Et bien, Julian Assange était largué colle dans l'ambassade Équateur qui est aux États-Unis d'Amérique. Et nous songeait, président équatorien t'a fait une déclaration de guerre, elle t'a dit. Président américain, sous gain grain dans le monde, entreprend Julian Assange côté l'IA. Et sans prendre souffle, président Équateur était entré en contact avec Vladimir Poutine, et bien, il était laissé passer Julian Assange, qui était à prendre refuge la Russie, côté que Vladimir Poutine te balle toute assistance possible, et bien, il n'y a pas de temps arrivé, tout y est, nomme ça, ni arrêté en tant qu'Américain. Mes chers amis, c'est là que nous mettons fin d'information pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, tant mieux. Dans le cas contraire, la vie continue. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous le moral. Tant que va le moral, tant va la vie. Abinader, Jovenel Moïse, monsieur, pas les bagailles qui sont bon pour tous les deux pépios. Fontiblier tête, nous, Fontiblier poche, nous, pour nous capables de faire remettre plus. Bonjour, au revoir.